contre super intelligence, voilà. Donc la team que j'ai préparée, c'est c'est une team qui est, alors catégorie hein, bien sûr, boss de film puissance maximale. Donc c'est un mix des deux catégories, boss de film puissance max. Donc ce sont les meilleures unités de la catégorie en fait, tout simplement, qui sont que tu peux inclure en super en extrême endurance plutôt. On peut vérifier si vous voulez, hein, mais hop. Sélection de catégorie. Boum. T'as tout, il bouge à chaque fois, c'est relou. Boss de film. On a dit quoi, puissance max. Ou puissance max. Merci Corinne. Merci Corin, Gafleck. Coringa ou Fleck, je sais pas comment tu t'appelles, mais merci pour le follow. Puissance max est ici. Donc on met correspondance partielle, hein, parce que de toute façon il n'y a quasiment aucune. En extrême, hop, endurance. Et on tombe là-dessus. Voilà. Donc à part le Bojack et le Metal Cooler, on peut voir que la team elle est déjà faite en fait. Hein. C'est pas super compliqué. Moi j'ai que ça, donc voilà. Hein, du coup on part sur cette team là. J'ai monté quelques liens, je me suis dit que ça pourrait aider un petit peu. On est type 1. Comme d'habitude, hein, les objets, je prends les mêmes que d'habitude. On change pas ça. Espérons que les Broly vont carry un peu la game, hein, le fait qu'ils puissent mettre des grosses patates de l'espace sur tout le monde. Donc, on claque un Air Dragon direct. J'espère que ça va suffire. Hop. Et je peux partir en spé. Je vais quoi. Je peux partir en spé avec notre ami Golden Freezer. Bon, le fait qu'il soit Carnage, ça va forcément aider. Bon, il y a la réduction de dégâts, donc ça va, plus le Air Dragon, c'est pas dégueu. En fait, ça peut aller très vite, hein. Ce SBR peut aller très très vite. Il suffit que ça crit au bon endroit et il restera pas grand chose. C'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. On va mettre le couleur qui a 104 de. 104 de. J'espère qu'on prenne pas le SP. Ah. Dommage. Premier tour très rapide. Premier tour. Très 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 rapide. Bon, 455 000 PV, c'est pas dégueulasse. C'est pas, on n'est pas ultra à l'aise non plus, hein. Pas déconner. Mais c'est pas mal du tout. Là, je sais pas si en partant en double SP le Broly. Ouais, non. Il y a quand même 100k le Broly ici. On va se la jouer comme ça. On va reprendre on va prendre un Whis. Ouais, Bob sur le premier tour. Ouais, c'est. Ouais, il y a plus de vie.
Il y a plus de dégâts aussi. Hein. Ah, c'est après, c'est une spé. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Ils gueulent tous comme des porcs, il se passe quelque chose d'important. Est-ce que quelqu'un est mort? Ou est-ce qu'on va tous crever? Où est le météore? Il y avait du foot à la télé. Je dis, est-ce que tout cela est normal pour nous? Bon! Est-ce que la paix serait faite du côté du Proche-Orient? Est-ce qu'enfin on arrête de protéger les enfants? Ouais. Louis, c'est toujours valable. On prend 160k. Si on prend 2 spé, on devrait survivre au coup blanc. On the channel. Avec micro, yo. Yo, voilà. C'était calcul au poil de cul, hein, mon histoire là. Ouais. Ah, j'essaie de maximiser. De toute façon, enfin voilà, les... Je fais toujours attention, enfin, au niveau des items, j'essaie toujours de maximiser les trucs en SBR parce que bah, c'est la gestion des items en général qui fait que ouais et puis il faut un peu de shot aussi hein, donc ah oui non mais si tu pars sur un hein. truc et que tu te prends des SP dans tous les sens c'était pas la peine de bouffer tes items quoi. Non mais là par exemple je savais que tu vois j'ai fait un petit calcul mental, je savais que j'avais pris 82k sur une SP. Alors, si j'en prenais les deux je survivais encore même avec les coups blancs donc voilà c'était correct. Ouais, non, mais c'est ça, mais faut pas prévoir pour le pire cas possible. Le pire cas possible, c'est que tu en lances. Ah, ouais, non. Bon, là, j'ai bien fait quand même, parce que j'ai quand même pris 2 SP, hein, donc. Finalement, j'ai pris les 2 SP, hein. Ouais, non. Pour l'instant, ça passe plutôt bien. On va reprendre un Whis. Warrior Dragon. Si je prends un Dragon, je vais prendre un Ebi derrière. Je vais me faire démonter si il se connaît quand même sévère. Alors on va tenter de lire dragon. Toujours pas regarder le tableau là. Non, c'est bon. Tant qu'on prend pas de spé, on est plutôt pas mal, on prend pas trop de dégâts en coup blanc sur le. Le Broly prend quasiment rien. J'ai pas regardé le tableau, tu sais que les personnages attaquent en priorité, les PV, etc. J'ai toujours pas regardé. Moi j'ai regardé, j'ai pas compris alors. Ah du coup, ça revient un peu au même. Ouais, ouais, finalement. On est sur le même point. Merci l'Oméga. Double SP, c'est bon. Donc j'étais un peu plus que mid-life. Par contre, Omega, il a pris du 30k là en coublant. Là. Ça donne pas envie. Donc j'avais bien dit, hein, Princesse Ebi derrière. Comme prévu. Donc il nous reste un tour de Hir Dragon. Plus la Princesse Ebi, on va pouvoir taper un peu comme des... Comme des ours. Je me demande si je mets notre freezer en premier, est-ce que c'est pas mieux? Il a un peu plus de def s'il est premier. Ouais, un tout petit peu plus, mais ça le rend pas ultra tank. Ouais, ça le rend pas ultra tank. On est d'accord. Après, il vaut mieux qu'il soit lié avec couleur aussi, parce que les deux ensemble ils vont très très bien. Hop. En vrai, tu es Vegeta sur ce tour-là. Normalement, le couleur, il devrait
envoyer 2-3 spé, il est 100% aussi. Enfin, c'est une team full 100% hein, donc que j'ai moi. Donc de toute façon, ça envoie du steak. Hein. On peut pas dire, là, les unités elles sont maxées. Les liens sont pas mal montés aussi dans la team. Par contre, c'est pas gentil d'envoyer 2 spé là. Bon, comme tu diras, c'est le bon moment en fait finalement. Puisque je suis sous Ebi et Yard Dragon. Donc Jeta est mort. Jeta est mort, ça c'est une bonne nouvelle. Le roi est mort, vive la reine. Sacrée puissance d'attaque. Hein, le freezer plein. En plus, il double SP. Un petit crit. Ah, dommage. Pas la tomate oignon. Oui, il envoie du steak. Hein, il envoie franchement du steak. On va faire ça. Il sera mort, hein. Il sera mort ici. Son corps est mêlé à l'asphalte, son pelage comme un tapis soyeux. On va garder les Broly en rota, hein. C'est plus simple de jouer avec les Broly. On dirait que la route a des yeux. 3,5 sur son corps frêle, le fond d'un petit chat, une carpette. On arrive à la fin. Ah, on arrive à la fin déjà. Oui. Ah, les deux premiers ont été très rapides. Hein. Ah, effectivement, c'était rapide. Away, away. Allez, un Whis. Il va falloir penser à prendre le Dokkan Mode aussi à un moment là. Je vais commencer par. De toute façon, si lui. On s'en fout, c'est un carnage. Donc. On va faire ça. On part en spé ici. Ouh, ça picote, hein. Mon petit crit. Ouh, 105k sous Whis. Ça pique. Ouais, je souhaite toi, genre fais le test antidopage à mon avis là. T'as pris des produits. C'est pas très ch... C'est pas très Charlie, hein. Moi je dis ça mais c'est vraiment pas très Charlie, hein. Ton pain. Ok, bon. Eh ben, on va reprendre la Ebi. Comme son Whis Ebi. Non, monsieur Darvan, je n'ai jamais rien pris. C'était à l'insu de mon plein gré. Là, on prend 0 dégâts, logiquement. Pas tout jeune, tout ce baleine. Ah, ça me fait chier de sortir le Broly, là. Aussi pas tout jeune que le mec qui le prononce. Est-ce qu'il y a moyen de partir en Dokkan Mode, là? Non, je ne pense pas. Là, en prenant tout ça... Ah, ça me fait chier, ce sera pas le dernier tour. Hein. Bon, on va rester sur notre rotation normale. On est sur le coup. Peut-être du Visegoku là. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je partirai de la caméra au prochain tour. Si un prochain tour. Toi, le chien. Alors, je suis désolé pour ceux qui regardent en vidéo. Meute de chiens sauvages dans les rues.
Eh ben, à te regarder, ça paraît facile. Et baleine, tu vas voir, c'est pas vrai. N'oublie pas que j'ai monté, alors, unité full 100%. Toutes les unités sont 100%. Et j'ai monté les Yann là-dessus. Hein. Oh, c'est pour ça que je dis à regarder, on dirait. J'ai pas dit que ça me mettait. Ah, c'est fait par un professionnel. Après, je pense que j'ai bien géré aussi les items quand il fallait, etc. Donc, eh ben, SBR, version Super Hunt, les SBR Extrême, quand c'est comme ça, c'est de l'eau. Hein. Hein, c'est. Ça a été assez. J'ai pris mon temps. Hein. J'ai pris mon temps. Et ça a duré 13 minutes en prenant mon temps. Je vous remonte la team. Donc voilà. Donc, au niveau des items, j'ai pris. J'ai assuré mon coup, j'ai pris les items quand il fallait. J'ai pas cherché à économiser les items. Hein. Je vois pas l'intérêt en fait en SBR de se dire je vais économiser des items. Enfin, personnellement, je préfère les réussir que d'économiser un item à la con alors que j'en ai plus de 2000 de chaque. Hein, donc, je vais me faire chier avec ça. Donc, si c'est pour en bouffer 3 de plus. C'est pour rater et re-en bouffer sur un tour d'après, c'est clair. Donc, voici la team ultra efficace. Je pense qu'on peut le descendre en dessous des 10 minutes. Très facilement, hein, je l'ai fait à la Woolwool, hein, donc vraiment en mode détente, il y a meilleur moyen de taper un putain de chrono sur cette team. Hein. Donc voici le Super Battle Road Supreme contre Super Hunt, avec la team du coup, catégorie boss de film et puissance max, hein, mélangé, voilà. Pouf.